La course de printemps est un rendez-vous sportif ludique, de cohésion, de rassemblement, où tous les gens peuvent se retrouver et où l'environnement de la course est très soigné par rapport à un cross où on soigne essentiellement la course et les difficultés de la course. Là, on s'axe plutôt sur l'environnement, la musique, les ravitaillements, les cadeaux, et tous les petits échauffements en musique, toutes les petites surprises qu'on peut mettre autour de la course. Les conditions sont au top. Tu connais ton comme temps tous les ans? Non, 15 quelque chose je pense. Hein, c'est... On passe en 2,54 au premier kilomètre, donc après on déroule tranquillement. Et après on finit tranquille, voilà. Belle course tranquillement. C'est bien mon Tom. C'est bien, t'arrêtes pas, t'as un tour encore, Béli. Le parcours, bah, il tournait beaucoup quand même. Donc beaucoup de relance. Donc c'est un parcours quoi, à moitié en tout cas. La route et du cross. Quoi. Alors à l'origine, il y avait 1200 inscrits. Répartis sur les deux courses, 300 à peu près sur le 5 km et 900 sur le 10. C'est un souhait du général qui a été mis en œuvre cette année avec cette course de printemps. Donc il est présent, c'est très bien, et en plus il a dirigé cette organisation depuis sa création. Je vous donne à tous rendez-vous l'année prochaine. Vous étiez quand même très nombreux puisqu'on avait 1500 inscrits. Vous aviez compris que vous pouviez vous inscrire au court ou au long indifféremment, quelle que soit votre catégorie ou votre sexe. Donc je pense que l'année prochaine, il y aura encore plus de monde. On a eu de la chance, on a eu le beau temps. Je pense que c'est la baraka. Et c'est bien, on a la baraka, il faut continuer.